On est au lac du Coiroux sur la commune d'Aubazine et ce soir c'est la 4e édition du Disjoncté, un festival 100% sans électricité qui est organisé par l'association Brive-la-Braillarde. Festival de musique, un festival sans électricité mais de musique, donc avec que de la musique acoustique et éclairée 100% au feu du coup. Ce soir spécifiquement, c'est une édition complètement frappée, les éditions sont thématiques, donc on l'aura deviné, c'est autour des instruments percussifs. Et en tout, il y a 9 groupes, 50 musiciens et musiciennes. Et ça joue pendant 7 heures non-stop, de 19h à 2h du matin, avec pas d'interplateau, donc c'est vraiment de la musique non-stop. C'est vrai que ça plaît énormément aux familles parce que les enfants peuvent courir, c'est super joli, c'est facile en plein air. La première année, il y a des enfants qui se perdaient dans le noir, donc déjà on a amélioré le système d'éclairage et puis on a mis un totem des enfants perdus pour que les gens puissent donner un point de rendez-vous à leurs enfants avec un bénévole qui les accueille. Les scénographies changent tous les ans. On essaie de trouver des effets visuels différents, on met du feu à des endroits différents, on invente des choses. La dernière édition, il y avait des lanternes flottantes sur le lac. Cette année, c'est des sculptures de feu. On essaye d'inventer des petites choses et il y a toujours des petits moments que je ne peux pas dévoiler dans la soirée où il y a des petites surprises visuelles comme ça.